Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV. L'émission que vous suivez, l'émission s'appelle La boutique de l'invisible. C'est mon espace à moi. Je suis Gloria Bibi-Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la purification. La purité, le bonheur de l'homme dépend de son état de purité. Le bonheur d'un être humain dépend de son état de purité. Aujourd'hui, on peut fréquenter la même église. On peut faire les mêmes prières. Mais si ton état de purité n'est pas élevé, tes prières seront lentes. Parce que c'est la purité qui fait de nous les êtres vivants. C'est la purité qui fait de nous les êtres remplis de lumière. Mais lorsqu'un être humain n'est pas pur, c'est comme son ampoule n'est pas allumée. La purité est comme une maison où il y a la lumière, on peut voir clair, on peut avoir voir les objets. Mais lorsque un être humain est impur, c'est comme la lumière de l'ampoule est grillée. La lumière de la maison, pour moi, n'est pas allumée. Donc, même si cette maison contient des trésors, on ne peut pas voir pour apprécier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire, oui, je veux ça, je veux gagner au loto, je veux avoir l'argent, je veux avoir ça. Ils veulent toujours avoir, mais sans respecter les normes de la vie, les normes de la nature. La nature a ses règles. Même la vie même a des règles. La nature a ses règles, la spiritualité a des règles. Même des plantes ont des règles. Il y a des plantes qui ne poussent pas dans le désert. Il y a des plantes qui poussent au bord des eaux. Il y a des plantes qui poussent sur la terre sèche. Il y a des plantes qui poussent dans les bas-fonds, etc. Donc, il y a la nature, les règles. Mais il y a des personnes qui ne veulent même pas respecter les règles de la nature. Et ils veulent. C'est ces personnes-là qui finissent par les signer avec des pattes, avec des esprits. Et après, ils se mettent dans les problèmes. Selon un être humain, c'est la purité qui fait de toi un être rempli de bonheur. Quand un être est pur, quand ton aura est pure, quand tu as une lumière en toi, tout ce que tu entreprends, ça va de l'avant. Vous voyez, pourquoi l'homme doit tout se purifier? Vous voyez que je parle beaucoup de purité. Donc, dans la vie d'un homme, lorsque tu n'es pas pur, que ton aura n'est pas pur, ton état de purité n'est pas élevé, le bonheur t'échappe. Il y a des personnes, le bonheur vient jusqu'à ça les touche et puis ça les échappe parce qu'ils ne brillent pas. Ils n'ont pas de lumière à l'intérieur d'eux. Il est bien de se purifier, c'est très important. La purité, quand on prend la paix, on parle de purité. La purité est l'état supérieur. Quand un être est pur, tu es protégé. Le bonheur vient d'elle-même. Tu ne forces pas les choses. Mais quand tu es en état de purité, eh ben, tu vas voir que tout ce que tu fais, tu le fais avec beaucoup de difficultés. Tu forces tout parce que tu es dans le noir. Quand quelqu'un, imagine qu'on coupe l'électricité chez vous et vous êtes en train de chercher quelque chose dans le noir. Vous luttez pour pouvoir trouver, vous mettez les mains comme ça parce que vous ne voyez pas. Mais lorsqu'il y a une lumière, vous partez directement vers l'objet et vous prenez l'objet. C'est la même chose. Donc l'état de purité est très important de se purifier. On veut ça, mais on refuse de se purifier. Aujourd'hui, il y a des gens, quand tu leur parles de la purification, tu leur parles des bains, tout ça, ils voient tout ça en démon. Ils voient tout ça en quoi. En tout cas, ils ont leur pensée à eux. Il est bien de se purifier. Nos grands-parents, nos ancêtres, en tant qu'Africains, se lavaient avec des plantes. Il y a des plantes même qui apportent la longévité. En se lavant avec des plantes, ça apporte la longévité. Il y a des plantes même qui chassent les mauvais esprits. Il y a des plantes même quand tu te laves en tant qu'être humain, ça charge ton magnétisme, ça fait que tu as un mariage facile. Il y a des plantes qui quand tu te laves, ça ouvre les portes pour toi. Mais aujourd'hui, quand tu parles de bain de purification, quand tu parles de plantes, quand tu parles de merveilles de la nature, il y a des personnes qui pensent que tout cela est démoniaque. Dieu a donné chaque peuple à sa richesse. Je ne comprends pas pourquoi nous les Africains, Dieu nous a bénis, il nous a donné une belle nature, il nous a donné des plantes, mais malheureusement, on ne connaît pas la valeur de ce que Dieu nous a donné. On ne connaît pas la valeur de toutes ces choses que Dieu a mis en nous et autour de nous pour notre bien-être. Les plantes font des merveilles. Et un être humain doit toujours se purifier. On veut avoir tout, mais on refuse de se purifier. On veut avoir le bonheur, on refuse de se purifier. On veut avoir gagné au loto, mais on refuse de se purifier. Mais la purité, le bonheur dépend de ton état de purité. Le bonheur que tu reçois dans ta vie là dépend de ton état de purité. C'est comme l'habit que nous portons. Il y a des habits que quand tu portes, ça se salit. L'habit sale, souvent même quand tu portes l'habit sale, ton corps te démange. Tu es là, tu n'es pas à l'aise. Parce que la vie est sale. Donc quand ton aura est sale, c'est comme ça spirituellement, ton spirituel n'est pas à l'aise. Donc tout ce que tu fais, ça ne peut pas vraiment marcher comme c'est toi. Donc il est bien de vraiment prendre sa vie en main et se purifier régulièrement. C'est très important. Vous voyez, même le serpent dans la forêt, à un moment donné, le serpent se purifie. Le serpent va dans la forêt, il enlève la peau. Il enlève sa peau et puis il s'en va. Quand il voit que la peau qui est sur lui, là, il y a trop de saleté, il y a trop de poussière, il y a trop de choses qui ont envahi sa peau, le serpent va enlever la peau pour jeter quelque part et puis il continue avec une nouvelle peau. Et il se purifie à plus forte raison, nous qui sommes les êtres humains. Il est bien
de renouveler son aura, de purifier son aura. Vous savez, l'être humain est méchant. Il y a des événements qui nous salissent. Une personne, quand toujours quelqu'un a des mauvaises pensées sur toi, quelqu'un envoie des mauvaises pensées sur toi, quelqu'un prononce des mauvaises paroles sur toi, quelqu'un est en train de te critiquer, il est en train de faire manigancer des coups bas dans ton dos, tout ça crée de l'impact sur ton aura. Tout ça agit sur ton aura. Tout ça se manifeste sur ton aura. Et quand c'est comme ça, ton aura ne peut pas être pure. La sorcellerie, les envoûtements, les mauvais yeux, la jalousie, tout ça, c'est dans notre entourage. Donc, c'est les choses qui nous salissent au quotidien. Donc, la manière que quand nos habits sont sales, on prend le temps de laver, il est bien de temps en temps quotidiennement de se purifier avec des savons, avec des plantes de purification comme l'hysope et autres. Il est bien de se purifier. Mais quand vous le laissez et que vous êtes impur, que la pureté devient vraiment, l'impurité devient vraiment intense, que vous êtes vraiment impur, ça devient chronique comme on le dit. Quand on fait les prières pour vous, c'est lent. Parce que votre état de purité compte dans la prière que nous faisons. C'est pour ça que souvent, quand on doit prier pour les gens, on leur fait des bains, on leur donne des trucs d'abord pour se purifier, d'abord on leur fait des rituels, des prières. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait pour X qui a marché en 3 jours, je peux le faire pour Y qui peut prendre au moins 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend de son état de purité. C'est pour ça que la purification au quotidien pour se purifier. Le résultat de nos prières dépend de notre état de purité. Le bonheur que nous recevons dépend de notre état de purité. La joie de vivre que nous avons, la santé, dépend de notre état de purité. Parce que la purité est à la base de tout. C'est pour ça, dans la Bible, dans le verset du Psaume 50, il dit « Purifie-moi avec les hommes ». La purité est différente de la propriété. La propriété, là, c'est le physique. La purité, c'est l'esprit. Vous voyez, il y a des gens, physiquement, ils sont propres. Ils portent des bons habits, ils sentent des bons parfums, ils sont très propres. Mais spirituellement, ils sont impurs. Parce que la purité est différente de la propriété. Il y a des gens qui sont propres physiquement, tu les vois, le gars est propre, mais son état d'esprit est très sale, son esprit est sale, il est impur. Donc il faut vraiment se purifier parce que c'est la purité qui fait l'état d'esprit de l'homme. C'est la purité qui crée les voies, la purité qui donne le bonheur. Donc il est bien de se purifier. Actuellement, nous sommes en fin d'année. Tu as été critiqué, les gens t'ont lancé des flèches, les gens il y a eu de la jalousie, le mauvais œil, plein de choses que les gens t'ont lancé dans les pensées, ils t'ont envoûté, il y a plein de trucs. Tu ne peux pas prendre ça pour rentrer dans une autre année. Il faut dégager un peu comme le serpent qui enlève sa peau à un moment donné de sa vie. Il faut se dégager un peu, il faut se purifier, c'est important. C'est pour ça que j'ai mis en place le kit de la fin d'année pour la purité. Il est très bon de se purifier. En se purifiant, on gagne plus. Il est bien régulièrement même de se purifier. Très souvent, même en tant qu'homme, souvent il y a des femmes avec qui on va, qui n'ont pas un bon état d'esprit, qui saluent notre aura. Il y a les hommes aussi avec les femmes vont, qui saluent aussi l'aura des femmes. Donc on ne sait pas. Donc il est bien de se purifier de temps en temps. Vous voyez, il est bien, souvent là, c'est vérifié. Tu as un bon marché, bien tu as quelque chose, un bonheur qui est presque arrivé vers toi. Et puis le même jour, tu as eu des rapports avec une femme. Tu t'en vas, on dit non, ça ne marche plus. Vive les salles, tu as eu des rapports avec un homme. Tu t'en vas, on dit non, ça ne marche plus. Parce que la personne, son état d'esprit, ça veut dire que son degré de purité, ça veut dire que la personne est impure. Donc l'impurité qui est dans l'âme de la personne t'a sali. Voilà, la personne t'a sali sur le plan spirituel. Donc il est bien quand même de temps en temps de se purifier. Il est très important de se purifier parce que l'état d'esprit de laquelle nous sommes là, si on n'est pas pur, beaucoup de choses nous échappent. Parce que quand le sorcier t'attaque, il salit ta lumière. Il salit ce qu'on appelle dans nos jargons l'aura. Quand on te jette un mauvais sort, ça se répercute sur ton aura. Quand quelqu'un te maudit, ça se répercute sur ton aura. Quand quelqu'un te prononce des paroles qui ne sont pas bien, du coup ton aura absorbe tout ça. Donc une fois que l'aura absorbe toutes ces négativités, que l'aura impure, tu vas voir que tout ce que tu vas te prendre, ça va être difficile pour que ça marche. Donc vraiment, comme je n'ai pas le temps, vous voyez que le téléphone crépite beaucoup. Purifiez-vous, purifiez-vous, purifiez-vous. Ça va être l'état pur que le bonheur peut venir dans votre vie. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.